Au Sénégal, le secteur minier est en pleine croissance. Au cours de la dernière décennie, près de 5 milliards de dollars d'investissement y ont été injectés. Les retombées du secteur représentent aujourd'hui 20% des recettes d'exportation du pays. L'ambition des autorités est d'en faire un des secteurs d'activité prioritaire pour l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent. Celui-ci prévoit de porter la croissance du pays à 7% au cours des prochaines années. L'effervescence qu'il y a autour des mines est en train d'attirer plusieurs investissements étrangers. Et à travers ces investissements étrangers-là, ces nouvelles découvertes, que ce soit de l'or, que ce soit du zircon ou des métaux lourds, vont aider à travers les flux financiers qu'ils vont dégager au développement du pays. Aujourd'hui, le Sénégal attire de plus en plus de compagnies minières. De nouveaux gisements ont été découverts et leur mise en exploitation est imminente. L'objectif pour 2020 est de produire annuellement 15 à 20 millions de tonnes de minerais de fer, 2,5 millions de tonnes de phosphate et 17 tonnes d'or. Vous savez, comme on le dit souvent, l'industrie minière de nature, à tort ou à raison, est une industrie suspecte. Nous essayons de travailler dans ce sens-là pour améliorer la gouvernance dans le secteur, la transparence, mais aussi permettre à ce que tous les acteurs publics et privés, mais particulièrement les populations, à pouvoir saisir cette opportunité qui est là d'exploiter et de mettre en valeur ces ressources. C'est notre objectif et nous pensons que cet objectif peut être atteint, mais à condition tout simplement que les acteurs se parlent et décident. Pour améliorer la gouvernance dans le secteur des mines, la société civile sénégalaise mène le plaidoyer. La coalition Publiez ce que vous payez invite les autorités à privilégier d'abord l'intérêt des populations locales. D'une manière générale, il faut une gouvernance plus ouverte, moins opaque, pour permettre aux populations d'avoir une bonne compréhension des enjeux dans ce secteur. Plus précisément, en ce qui concerne les communautés dans les zones minières, nous avons des préoccupations, parce que dans beaucoup de zones minières, les populations sont spoliées, elles sont expropriées de leurs terres. Au Sénégal, le code minier en vigueur date de 2003. Un comité de revue de ce code a été mis en place. Il vient de déposer son rapport final au ministère des Mines. S'il est adopté, ce nouveau code marquera sans doute l'avènement d'une nouvelle ère pour l'économie minière au Sénégal.